Bonjour à toutes et à tous, ici Wolfari, on se retrouve aujourd'hui sur Dragon Age Origins. Et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai jamais joué à un Dragon Age. J'ai profité simplement du fait que Origins donnait Dragon Age gratuitement sur Origins. Oui, forcément, ils vont pas le donner sur Steam. Réfléchis un petit peu. C'est un jeu qui est fait par Bioware et EA, je sais pas à quoi m'attendre, c'est ceux qui ont fait Mass Effect, donc j'espère que ça va être cool. Je remarque qu'il y a également mon adresse qui est en grand là, donc je vais devoir masquer ça. C'est parce que c'est mon adresse privée et que j'ai pas envie que vous la connaissiez. J'ai une adresse publique, vous avez accès normalement dans la description de la chaîne si vous voulez m'envoyer un petit mail, un petit mot d'amour ou quoi. Mais mon adresse privée reste privée, donc j'espère que je vais pas la croiser autre part, j'espère vraiment pas. Donc je ne connais pas du tout ce jeu, vous pouvez voir, j'ai pas de chargé partie, j'ai pas autre campagne, j'ai que dalle. C'est la première fois que je... Non, d'accord, je mens. C'est la deuxième fois que je lance le jeu puisque je me suis connecté et que dans les options, j'ai tout simplement modifié les trucs du jeu. Dans les commandes, normalement, ça devrait aller. J'espère que c'est configuré. Non, c'est pas grave. On verra ça plus tard dans le jeu, mais ta vie, hein, si j'ai pas envie de foutre tout en l'air pour le moment. Difficulté normale, sous-titres, on va mettre des sous-titres. Conversation uniquement. Oh non, tout. Connaissant Bioware, ouais, je pense que c'est bon. Pause au début des combats, pour que faire? Je sais pas à quoi ça ressemble. Indice, monter les repères dans les zones explorées. Ouais, on va laisser ça, je suppose que c'est bien. Ok, nouvelle partie. Ah, chargement, d'accord. Un beau chargement, j'aime bien le chargement. La chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber, et depuis les tréfonds, les engences noircelèrent encore et encore, jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Les gardes des ombres, hommes et femmes de toutes races, guerriers et mages, barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient aux nues ont oublié. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Jusque-là, je me plais. C'est un bon principe. Oui, et bien sûr, création de personnages. Les antécédents que vous sélectionnez déterminent lequel des 6 scénarios d'origine vous jouerez. Ils affectent en outre la façon dont les personnages réagiront à votre présence tout au long du jeu. C'est cool ça. Donc forcément, la race, je suppose que ça c'est les nains, ça doit être les elfes et ça les humains. Voilà, exactement. Les elfes, il est hors de question. Je vais jouer un personnage féminin pour changer. Je peux jouer une naine, sérieux. Ouais, les elfes sont moches. En fait, elles sont toutes moches. Classe. Noble humain. Madame est noble, n'est-ce pas? En fait, j'ai pas le choix. Je peux jouer que noble humain, d'accord. C'est cool. Ouais, c'est ça, c'est... J'ai pas le choix de mes trucs? Enfin, j'ai pas tant le choix, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ta gueule et tais-toi, et on prend ce qu'on te donne, quoi. C'est exactement ça. Ah non, ça dépend. Je peux jouer donc... Nain roturier, nain noble. Je peux jouer un noble humain voleur, quoi. Tout va bien. Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Bah, de toute façon, je vais jouer humain. Les elfes, il est hors de question que je joue. Donc une femme, guerrier. Non mais je m'en fous de ça. Je veux savoir c'est quoi ça. Donc ça c'est guerrier, ça c'est mage et ça c'est voleur. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Je joue un classique guerrier, mais ta vie, hein. Bon ben ça c'est pas comme si j'avais le choix de toute façon. Suivant. Salutations. C'est quoi ce nom? Cousland. Putain mais vas-y, porte le nom d'un pays. Ah non, ah non d'accord. Oui je vois, Cousland c'est son nom de famille. Ouais donc elle s'appelle quand même ville de la couture, enfin ville de la couture ou je sais pas trop quoi. Non on va laisser Elisa, c'est pas mal. Montre-moi ça. Là ils ont totalement craqué quoi, regardez ça. Ils ont oh magnifique. Non je vais laisser par défaut aussi, voilà. Peut-être un petit peu souriant. Un tout petit peu, voilà. Non ça fait autant en fait, donc non. J'ai perdu ma concentration. Oh, elle a perdu sa concentration. Salutations. Non. Salut à vous. Ah mieux. Enchanté. Oui, forcément. Bonjour. Ah, bonjour. Enchanté. Ouais, forcément, je vais craquer, hein, voilà. Pas le choix. Salut à vous. Enchanté. Salut à vous. Enchanté. J'hésite entre les deux, du coup. Salut à vous. Enchanté. Notez quand même, elle a carrément le, elle a carrément le collier et tout, sensuel, tu sais. Non. Soit, on va laisser ça comme ça, c'est bien. Point restant. Je crois que j'ai joué la force. Mais c'est bien, mais je sais même pas à quoi ça correspond, quoi. Donc, Constitution, ça doit être la PV, voilà. Ciné, résistance. Est-ce que ça influe sur la perse? Non, ça influe pas. Tant mieux. Je vais monter un peu la force. C'est pas ça. La ruse, non, je suis une brute épaisse, donc non. Voilà, on va dire ça, c'est bien. Voilà, mais je sais pas. Rhétorique, magie, ça. Oh, quoique, quoique. Si c'est la force qui prime. Intimidation ou persuasion, ouais, larcin. Non. Piège rudimentaire. Détecter les proximités de... Herboriste. Ça pourrait être sympa, mais ça colle pas vraiment au personnage. Préparation poison, tu sais quoi, je prendrais bien rhétorique. Mais bon, expertise au combat. Oh ouais, mais j'ai déjà 2 points, donc stratégie. Ah. Non, je vais mettre rhétorique, voilà. C'est bien. Suivant. Et point de talent. Putain, mais je sais pas à quoi ça correspond, fous-moi la paix. Bon, c'est quoi ça, frappe bouclier. Ouais, vas-y, je sais pas, on va pour ça, ouais, voilà. Quoique non, 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 effacer, effacer, effacer. Guerrier. Entraînement dur la barre, ouais. Ouais, d'accord. On y va, difficulté normale, voilà. Je pense que j'ai une petite cinématique, voilà, merci. Enfin, un chargement, certes, mais c'est une cinématique, le chargement, hein, voilà. Par contre, j'aime beaucoup la musique, elle me plaît beaucoup. Détail con, mais j'aime beaucoup. C'est important la musique dans un jeu, enfin, c'est important la musique dans tout, en fait, hein. Sauf un livre, peut-être, mais bon. Cousland, votre famille, régente le domaine de Haute-Cime depuis plusieurs générations. Juste et modéré. Ils ont su gagner la loyauté de leur sujet. Votre père et votre grand-père ont tous deux servi les rois guerriers de votre nation pour repousser l'envahisseur orlésien. Aujourd'hui, votre frère aîné porte une nouvelle fois la bannière des Cousland au service du roi pour affronter l'engeance, une menace plus terrible encore que l'armée d'Orlaïs. Je gage donc que vos troupes arriveront sous peu. Oui, elles devraient arriver cette nuit même, de sorte que nous pourrons nous mettre en route dès demain. Mes excuses pour ce contretemps, monseigneur. Je suis seul fautif. Allons, ne vous accablez pas. L'apparition soudaine de l'engeance a surpris tout le monde. J'ai moi-même appris la nouvelle, il y a quelques jours à peine. Mon fils aîné prendra la tête de mes hommes. Vous et moi chevaucherons demain côte à côte, comme jadis. Certes. Mais nos cheveux étaient moins tachés de gris à l'époque. Et nous combattions des Orlésiens, pas des monstres. Au moins l'odeur sera-t-elle toujours la même. Pardonne-moi, ma fille, je ne t'avais pas vue. Oh, vous vous souvenez d'elle? Je me souviens d'une petite fille. Mais j'ai devant moi une charmante jeune femme. Heureux de vous revoir, cher enfant. Ah. Et donc ça passe comme ça, je peux y aller à la souris quand même? Oui. Ouais. Puisque ton frère conduira nos troupes au sud, et que je le suivrai avec le Yarl, je te charge d'administrer le château en notre absence. Je ferai de mon mieux, père. Non, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi je peux pas vous accompagner? Je sais qu'il te tarde de prouver ta valeur, mais je n'ai pas le courage d'affronter ta mère sur ce sujet. Elle est déjà dans tous ses états à l'idée de nous voir combattre l'engeance. Elle me tuerait plutôt que de te laisser partir. Laissez-moi lui parler, je saurai la convaincre. J'en doute fort. Tu connais ta mère. Elle ne revient jamais sur ses décisions. Ne prends pas cette tâche à la légère. Je place sur tes épaules un grand fardeau. J'ai l'intention de ne laisser qu'une maigre garnison au château, et je compte sur toi pour maintenir l'ordre dans la région. Tu connais le proverbe, quand le chat n'est pas là. Par ailleurs, j'aimerais te présenter quelqu'un. Faites entrer Duncan. C'est un grand honneur pour moi d'être votre hôte, Tierne Cousland. J'ignorais qu'un garde des ombres devait se joindre à nous, monseigneur. Duncan vient tout juste d'arriver à l'improviste. Cela pose-t-il problème? Non, bien sûr que non. Pardonnez-moi, je suis simplement surpris. Il est vrai que la venue d'un garde des ombres est un plaisir rare. Dis-moi, ma fille, que t'as enseigné frère Alcibiade à leur sujet? Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas, la garde des ombres est un ordre de grands guerriers, ça je m'en doute, vu son armure, on va dire ça, ouais. Ce sont des héros de légende qui ont repoussé l'enclin et sauvé le royaume à maintes reprises. Duncan compte enrôler de nouvelles recrues avant de chevaucher au sud pour rejoindre sa compagnie. Je crois que Ser Gilmore a éveillé son intérêt. Si je puis me permettre, j'estime que votre fille ferait également une excellente candidate. J'en suis honoré, bien sûr. Mais n'oubliez pas que vous parlez de ma fille. Bon, l'idée est tentante, hein. Je n'ai que peu d'enfants. Et l'idée de les voir tous partir à la guerre ne me réjouit point, Duncan. Bien sûr, si vous invoquez le droit de conscription... N'ayez crainte. Nous avons un besoin vital de nouvelles recrues, mais nul ne sera enrôlé contre son gré, ou celui de ses parents. Ma fille, en mon absence, veille à ce que Duncan ne manque de rien. Certes. En attendant, va trouver Fergus, et dis-lui de nous ouvrir la route jusqu'à Ostagar. Ouais, il est où? Attends, j'ai comme l'impression que vous essayez de me débarrasser de moi. Mais non, wow. Ouais, j'aimerais rester pour lui parler, tiens. Tu auras tout le temps de lui parler après notre départ. Nous devons discuter de nos plans de bataille. Sois gentille, fais ce que je te demande. Nous discuterons plus tard. Ok, ça va. Oh. Le jeu propose divers points de vue tactiques. Utilisez la molette de votre souris pour faire descendre votre caméra, machin. En pause, vous pouvez donner des ordres à votre personnage en faisant clic droit sur la destination souhaitée. Ouais. Vous avez donné un ordre de déplacement à votre personnage. Vous pouvez vous donner des ordres en temps réel ou en pause. Appuyez maintenant sur espace pour sortir de la pause. Cool! Ah bah ok, non. Ok, ça va, je comprends. Attends, ouais, ok. Je regarde, ok, il est bien passé en WASD, tout va bien. C'est cool. Du coup, oui. Je préfère passer comme ça que à la souris en fait. C'est con, mais c'est comme ça. Salut. Bonjour, noble dame. Vous êtes la fille du Tierne, n'est-ce pas? Tu sors d'où, toi? T'es pas un garde? Comment tu me connais pas? Un membre de la garde personnelle du Yarl Howe. Le reste de ses forces devrait arriver tard dans la nuit. Ah non, ok, autant pour moi alors. J'ai cru comprendre que vous auriez la charge du château en l'absence de votre père. Ouais, c'est ça. Ah, eh bien, bonne chance. Bonne soirée, noble dame. Bonne soirée. Mais, entre nous, tu peux m'appeler Wolfie. Voilà. Bref, Bonne soirée, noble dame. Oui, mais non, mais... Bonne soirée, noble dame. Mais c'est pas à toi que je parle. Bon, c'est pas grave. Bonsoir, noble dame. Bonsoir. Êtes-vous Bob Lennon? Pardon. Excusez-moi. Bonsoir, noble dame. Ok, par contre, ils sont très causants, je vois. Pardonnez-moi, mais je crois que votre père désire rester seul avec le Jarl et moi-même. Pourrions parler plus tard, peut-être. Votre père vous a donné la charge du château, n'est-ce pas? Nous nous reverrons au plus tard demain soir pour le dîner. Ok, bah dans ce cas, j'attendrai ce temps-là avec impatience, ouais. Ne t'ai-je pas demandé de porter un message à ton frère? Bah, il est où? Dans ses appartements, sans doute. J'imagine qu'il doit prendre congé d'Oriana et de ton neveu. Vous êtes sûr que tout ira bien? Mon frère et moi partons en guerre, ma fille. Nous n'allons pas prendre le thé avec le roi. C'est pas faux. Je sais ce qu'il adviendra. C'est pas faux. Ce dont je suis sûr, en revanche, c'est que tu es ma fille, ma propre chair, et que j'ai toute confiance en toi pour faire honneur au nom des Cousland, si jamais le pire devait arriver. Mais ne t'en fais pas pour moi, ma fille. Crois-moi, tu auras largement de quoi t'occuper l'esprit une fois que je serai parti. Ok. Nous reparlerons plus tard. Je dois d'abord m'entretenir avec Duncan. C'est bien, au moins, ils ont quand même mis un point d'honneur à avoir une prononciation des noms à peu près potable. Parce que je suis certain que qu'ils auraient très bien pu dire Duncan ou quelque chose du genre. Au moins la traduction française n'est pas trop dégueulasse. Bonsoir, noble dame. Bonsoir. Bonsoir. Du coup c'est par où? Par là? Bonsoir, noble dame. Oui, 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 je sais. Ah, sérieux? Compétence insuffisante. Ah! Y'a pas moyen de courir? Non, ça c'est s'arrêter, d'accord. Enfin, mais je voulais dire sprinter quoi, enfin, bref. Bonsoir, noble dame. Oui, oui, bonsoir. Oh, une porte. Une porte, je vais faire toutes les portes du monde! Ah! Oh, noble dame, nous faisions juste... Partie de carte? Oui, mais le trésor ne risque rien. Je ne comprends même pas pourquoi le Tierne nous a cantonnés ici. Pas d'inquiétude. Merci, noble dame. Votre clémence vous honore. Merci de votre indulgence, noble dame. Ça va pour une fois. Alors, qui d'autre je peux parler, tiens? Ah! Le Tierne vous a convoqué, m'a dit votre mère, et j'ai préféré ne pas vous distraire. Ouais, pourquoi me cherchiez-vous? Je crois que votre chien a encore fait du grabuge en cuisine. Oh, j'ai un chien? Nan a menacé de démissionner. J'ai un chien? Il est encore entré dans le cellier? Les servantes ont beau tout faire pour l'empêcher, ils trouvent toujours un moyen de se faufiler. Vous connaissiez ces chiens, Mabari. Ils n'obéissent qu'à leur maître. Ni moi ni mes hommes n'avons envie de perdre un bras. J'ai un chien. J'ai un chien. C'est possible, mais je préfère ne pas tenter le diable. Vous avez beaucoup de chance de posséder un chien Mabari, vous savez. Mon père disait qu'ils sont trop intelligents pour nous parler. L'inconvénient, c'est qu'ils se lassent très vite. Nan prétend que votre chien la tourmente uniquement pour se divertir. Quoi qu'il en soit, votre mère m'a demandé de vous accompagner pour régler le problème. Êtes-vous prête? Je dois d'abord parler à mon frère. Votre mère m'a donné des ordres très clairs. À moins que le château ne soit attaqué, ne faites rien tant que vous n'aurez pas récupéré ce chien. Elle n'avait pas l'air de plaisanter. Un instant, noble dame. Puis-je vous poser une question? Oui. J'ai ouï dire qu'un garde des ombres était au château. Est-ce vrai? Ouais. Et est-il vrai que ce garde a demandé à me voir? Pouf, ça j'en sais rien. Je vous en prie, dites-moi en plus. A-t-il demandé à me voir ou pas? Mais j'en sais rien. Mais j'en sais rien, je sais plus. Oui, peut-être, voilà. Par le créateur, en êtes-vous sûr? Mais putain, tu te fous de ma gueule! Je n'ose y croire. J'en rêve depuis que je suis enfant. Mais je dois garder les pieds sur terre. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû m'emporter ainsi. Soit, nouvelle quête. Matin malin. What? Attends, j'aimerais d'abord voir... Oui, oui, soir. Bonjour, cher enfant. Bonjour. Le hasard fait bien les choses. J'étais sur le point d'enseigner à ces jeunes écuyers l'histoire de votre famille. Oh là là, c'est obligé? L'histoire c'est assommant. Enfin mon garçon, un peu de respect. Tu parles des Cousland, la famille qui t'a donné un toit. Ne le gourmandez pas, moi non plus, j'ai jamais aimé l'histoire. C'est vrai, j'aime pas l'histoire. Vous n'avez pas changé. Vous devriez vous joindre à nous. Un peu d'élévation vous ferait le plus grand bien. Non, ça va, je réponds quoi. Non, ça va, je m'en sors. Dans ce cas, vous pourriez tenter de rendre le sujet plus captivant pour nos jeunes amis à l'intellect limité. Ah, pourquoi? Non, continuez. Vous y tenez. Ça va, non, l'histoire ça me tente pas du tout. C'est vous qu'on va devoir écouter maintenant? Silence! Je vais vous apprendre à tenir votre langue, petit gredin. Je crois que vous feriez mieux de partir. Votre présence les déconcentre plus qu'autre chose. Pour ma part, je vais m'installer et je vais me préparer Monter prestige énormément parce que alors... Je vois. je vois, ouais. C'est petit. Ah, mais il me suit lui en fait, carrément. Nous devrions vraiment nous occuper de votre chien avant qu'il ne commette l'irréparable, noble dame. C'est où? Non, non. Bien sûr, noble dame. Après vous. Ouais, attends. J'essaye de trouver... la sortie, là. Le gars, il sait plus où est la sortie après je sais pas combien de temps. Mais il y a des gens à qui parler. J'aime les gens à qui parler. Sauf qu'il n'y a pas de gens à qui parler ici, c'est juste une bête pièce. D'accord? D'accord! Oui, certes, je passe à travers les portes, rien à foutre. Mais c'est vrai en plus, regarde ça! Bon, je vais quand même les fermer. Hop, voilà. Bon, sinon, oui. Nous devrions vraiment nous occuper de certes. Parlons un peu de vous. Eh bien, je sers le Tierne depuis le jour où mon propre père m'a introduit au château. Avec belle texture. Mon père n'est qu'un seigneur de moindre rang, et notre fief n'est guère plus qu'une vaste ferme. Mes terres me manquent cependant. Nos vallées resplendissent en cette saison. Je suis très fier de servir le Tierne, mais j'avoue que si la chance de rejoindre la garde des ombres m'était offerte, j'accepterais sans hésiter. Ok, bah dans ce cas... Bien sûr, noble dame, après vous. Dans ce cas, c'est par où? Et mon cher Brice m'a rapporté ceci d'Orlaïs l'année dernière. Le marquis qui le lui a offert était un peu ivre, je crois. Il a confondu Brice avec le roi. Ah, voici ma fille, accompagnée de Ser Gilmore. Dites-moi, Ser Gilmore, le problème de ce chien est-il réglé? Pas encore, noble dame. Ma chérie, je t'en prie, hâte-toi de t'en occuper. Cette bête malodorante est peut-être un excellent chasseur, mais la pauvre Nan va finir par perdre la tête. Mais je dois transmettre un message à Fergus. Je ne te demande pas de voyager à l'autre bout du monde. Les cuisines sont à 2 pas d'ici. Ser Gilmore, je compte sur vous. À votre service, noble dame. Bien, avec un peu de chance, mes invités pourront manger avant la semaine prochaine. Trésor, tu te souviens de Dame Landra, j'imagine? Nous nous sommes rencontrés au salon de printemps de votre mère. Parfaitement, vous étiez ivre, je crois. Tant de tact et de diplomatie, voilà qui réchauffe mon cœur de mère. Je garde un excellent souvenir de ce salon, même si j'avoue que mes souvenirs sont un peu flous. Je m'étonne que vous en gardiez un quelconque souvenir. N'avons-nous pas dû vous porter jusqu'à votre litière? Vous connaissez mon fils Dairan, n'est-ce pas? Lui non plus n'est pas encore marié, vous savez. Ne faites pas attention à elle. Je suis enchantée de vous revoir, noble dame. Vous êtes plus belle que jamais. Ouais, mais... Non, ça va. Merci. Yona, madame de Parage. Dites quelque chose, très cher. C'est un honneur, noble dame. Vous êtes plus belle encore que le clamait votre mère. Elle dit pourtant cela après t'avoir vu te battre dans la cour et transpirer comme une mule. J'ai rarement vu plus fine lame que votre fille, noble dame. Je n'étais pas maladroite non plus à mon époque. Mais ce sont des arts plus féminins qui m'ont permis de gagner le cœur d'un mari. Je suis assez grand. Je suis assez grande pour me passer de vos conseils, mère. Tout prouve le contraire, mon enfant. Je crois que je vais me retirer à présent. Tyrène, Yona, je vous reverrai ce soir au dîner. Nous pourrions nous retirer dans l'étude. Noble dame, Ser Gilmore, bonsoir. Je crois bien que les cris de Nan parviennent jusqu'ici. Si tu te presses, tu pourras peut-être lui éviter une crise d'apoplexie. C'est vrai que je crois que j'entends aussi. Si c'est bien le nom du chien, c'est là les cuisines. Compétence insuffisante. Non, c'est pas là les cuisines. Bonsoir, noble dame. Bonsoir, noble dame. Peut-être devrions-nous nous occuper de votre chien avant que Nan ne mette ses menaces à exécution. Imaginez un peu la réaction de votre mère. Mais c'est où? Bordel, c'est où? Je sais même pas où c'est. J'aimerais bien y aller, moi. Attends. Archives personnelles. Inventaire. Journal. Quête en cours. J'ai pas de quête en cours. Si. Attends. Activé. Voilà. C'est donc ça. Et c'est donc où? Par là. Ouais, c'est par là. Voilà. Ah oui. Délogez-moi ce maudit cabot du cellier. C'est impossible, il va nous dévorer. Une elfe. Et moi, si je peux pas entrer dans mon cellier, je vous ferai rôtir à la broche. Misérable bon à rien. Calmez-vous, ma bonne dame. Laissez-nous vous aider. Vous et vous. Votre bâtard n'arrête pas de dévaliser mon cellier. Une bête comme ça, il faudrait la battre. C'est pas un bâtard, ça. C'est pas un bâtard en plus. Un loup des enfers, voilà ce qu'il est. Comment voulez-vous que je travaille? Maîtresse, je vous en prie, calmez-vous, vous... Très bien, puisque c'est comme ça, je rends mon tablier. Prévenez la Tierne, je refuse d'offrir mes talents à des ingrats. Allons, femme, calmez-vous. Nous allons nous occuper du chien. Débarrassez-moi de lui, c'est tout. Comme si je n'avais pas assez à faire avec tous ces soldats affamés. Vous deux, oust, ne restez pas plantés là, comme des idiots. Ok, ok, ok. Ce qui va de nouveaux objets... Mais pourquoi maintenant? Ok. Quoi. Pourquoi je retirerais? Pourquoi je retirerais? Mais non, tu vas pas retirer. Ok, ouais, pourquoi pas. Plutôt le mettre là-bas quand même. Genre un raccourci, je sais pas, t'as pas des raccourcis normalement? Si, mais... Ah oui, l'icône du raccourci est écrit en tout petit là. Ok, là c'est plus de raccourci, d'accord. Ah, ouais. Mais j'ai l'impression... Ouais, c'est ça, c'est pour un clavier AZERTY, ça, les raccourcis, merci. C'est bien gentil, mais... c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on va mettre ça là, tant pis. Voilà, ok, c'est tout. Foutez-moi la paix. Laissez-moi m'occuper de ce chien. Ah, regardez-moi ce carnage. Comment diable a-t-il fait pour entrer? C'est quoi ce chien? Sérieusement? Ouais, bah c'est comme ça qu'il faut... Ouais. Voilà. Vilain chien. Attendez, vous avez entendu? Choisissez un nom pour votre chien, je sais pas, Fluffy, ça me tente bien. Je viens de me regarder les Harry Potter il y a pas longtemps en VESTFR et je me suis rendu compte que Touffu, en fait, son nom c'était Fluffy. Je préfère largement Fluffy à Touffu, bizarrement, voilà, hop. Ceci dit, ça règle quand même pas le prince... Ah, il y a des rats géants, mon dieu! Ok, oui. Fuck it. Quel combat épique! Mon dieu! Mais tellement épique comme combat! Géant, par le créateur, on se croirait dans l'un de ces contes à dormir debout que me racontait mon grand-père. Votre chien semble leur avoir donné la chasse. Le rôti ne l'intéressait pas en fin de compte. Ces rats venaient des terres sauvages de Corcarie. Mieux vaut n'en rien dire à Nan. Elle a eu son compte d'émotion. Vous avez la situation en main, je peux donc vous laisser. Les hommes du Yarl doivent arriver cette nuit, et tout doit être prêt. T'as un peu beaucoup de sang sur la gueule, je dis ça comme ça. Non mais range ton arme. Merci. Soit. Elfidé, what? Malgré son nom, ce terme n'a guère en commun avec les elfes hormis qu'elle est souvent récoltée et vendue par les Dalatiens. C'est l'ingrédient de base de nombreux cataplasmes curatifs. Cool. Cool. Bah, tant mieux. Par contre, le sang que j'ai sur la gueule, quoi, c'est... Quand même, quoi, hein? On déconne pas avec ça. Par contre, le nombre de rats qui est à terre... C'est génial. C'est n'importe quoi. Félin vierge. De l'agneau de belle qualité, parfait pour les illustrations et manuscrits. Attends. De l'agneau, oui. Pas grave, on va rien dire. Regardez qui voilà. fier comme un pont et les babines encore dégoulinantes de sauce. En fait, il protégeait votre cellier. Quoi? Pas ces gros rats gris, j'espère. Si. Ce sont des monstres assoiffés de sang. Et voilà, vous avez effrayé mes serviteurs avec vos histoires. J'espère au moins que vous avez tué ces saletés de rats. Puissant Matin n'a fait qu'une bouchée de ces monstres. C'est ce satané chien qui les a fait rentrer, j'en suis sûr. Bah oui. Bien sûr. Oh, inutile de me regarder avec tes yeux de chien battu. Tes charmes n'ont aucun effet sur moi, sale bête. Bon, d'accord. Tiens, fais-toi les dents là-dessus et ne viens pas dire que je ne te donne jamais rien, maudite bête. Merci, noble dame. Je vais enfin pouvoir me remettre au travail. Allez, vous deux, finis de rêvasser. C'est vraiment comme ça que ça marche, un chien en plus. Ah, oh mais non, pas ici. Il n'y a pas d'herbe ici. Oh. Ça c'est pratique par contre. Par contre, je suis... Non, le sang commence à disparaître, hein. Ouais, parce que si je devais nettoyer mon chien et mon personnage à chaque fois qu'il y a un combat, ce serait quand même l'horreur. Enfin bon. Il se soulage dans l'herbe voisine, bien sûr, quoi. Il n'y a pas d'herbe voisine. Bon, du coup, maintenant... oui, quête. Là. Hop, activé. Voilà. Maintenant que c'est fait, on peut continuer. Bonsoir, noble dame. Ça, on s'en fout. On s'en fout, tout ça. On s'en fout. Bonsoir, noble dame. Ouais, oui, salut. Hop, voilà, c'est bon. Continuons. Ainsi donc, tu as résolu le conflit entre Nan et ton chien. Ouais. Je prends cela comme un oui. Bon travail, ma fille. Maintenant, file faire tes adieux à Fergus avant qu'il ne parte. Vous avez raison, Ouais, vous avez raison, je ferais mieux de vous laisser. Ma petite fille. Oh. Tu sais cela, n'est-ce pas? Mais oui. Pars faire ton devoir, mon enfant. Nous nous reverrons bientôt. Allez, la suite. C'est con qu'il n'y a pas moyen de sprinter, quoi. Ça m'énerve. Avec plaisir. Je voulais faire un... Je peux pas aller par là, c'est verrouillé, voilà. Pourquoi tu peux pas sprinter, personnage débile? Clé nécessaire, mais tu te fous de moi, là. Bon, du coup, c'est par où? C'est par là. Par là, je suppose. Voilà, exactement. Il va vraiment y avoir une guerre, papa? Tu me rapporteras une épée, dis? Une épée? On dit une épée, Oren. Et bien sûr que je te rapporterai une épée. La plus grande de toutes les épées. Je serai de retour très vite. J'aimerais être aussi confiante que vous, Fergus. Mon cœur est inquiet. Allons, mon amour. Inutile d'effrayer Oren. Je suis sûr de mon fait. Ah, petite sœur, tu es venue me faire tes adieux. Allons, sèche tes larmes et souhaite-moi bonne chance. Je peux attendre dehors si vous voulez, hein. Reste, que je puisse te faire mes adieux. Ok. Je t'apporte un message de père. Il désire que tu partes sans attendre. Ce qui signifie que les hommes du Yarl ont bel et bien été retardés. À croire qu'ils marchent sur les mains. Il est temps. Les engins sont des milliers. Plus vite j'aurai tranché toutes ces têtes, plus tôt je serai de retour. Très bien, en route. À bientôt, mon amour. J'ose espérer que tu n'allais pas partir sans dire au revoir à tes vieux parents. Puisse le Créateur veiller sur toi, mon fils. Je prierai pour toi chaque jour. J'ai l'impression quand même d'être adopté parce que du coup, c'est la seule qui a la peau tannée. Les autres sont tous blancs comme neige, quoi. C'est n'importe quoi. Ne t'en fais pas. Aucune engeance ne m'arrive à la cheville. Le Créateur nous observe et nous protège. Puissent nos fils, nos maris et nos pères revenir sains et saufs. Et puisse le Créateur être prodigue en bière et en jouvencelle. Enfin, pour la troupe. Fergus, n'employez pas un tel langage devant votre mère. C'est quoi une jouvencelle? C'est une sorte de balancelle? C'est ça, ouais. Une jouvencelle est une jeune femme qui sert la bière dans une taverne, Oren. Ou bien une femme qui boit beaucoup de bière. Brice, par le Créateur, vous êtes pire que des enfants, tous les deux. Heureusement que j'ai une fille, sans quoi je deviendrais folle. Vous allez me manquer, mère. Prends bien soin d'elle, petite sœur. Tu peux compter sur moi. Quelle joie de me savoir si bien entourée. Allons, mon enfant. Tu devrais aller te coucher. Demain, la journée sera longue. Ouais, ça va, hein. Le codex, engeance. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, forcément, il y a aussi le principe du codex qui doit se trouver quelque part... quelque part là, ouais, archives personnelles, je suppose. Non, c'est pas du tout ça. Je sais pas, pour moi, archives, c'est ce qui est archivé, enfin, voilà. Tactique, what? Comment que putain de quoi? Ok, ouais, on va dire que ouais. Pourtant, par défaut, ouais, je vois. On s'en fout. Carte, journal. C'est peut-être dans le journal, ceci dit. Non, c'est pas dans... Si, ça doit être dans le journal qui est terminé. Codex, voilà. Sauf qu'on s'en fout. Sauf qu'on s'en fout, voilà. Déjà l'heure d'aller au lit? Préférerais t'accompagner. Ah, ne t'en fais pas. Nous aurons d'autres occasions de combattre côte à côte. J'espère. En tout cas, tu vas me manquer. Prends bien soin de tout le monde. Toi y compris. Ça fait quand même le... Je sens trop qu'il va pas survivre à ce combat, c'est con, mais c'est comme ça. Si vous avez besoin de mon aide au cours des prochains jours, je suis à votre disposition. J'en prends note. Tu ferais mieux d'écouter ton père, ma fille. Nous nous reverrons au point du jour. Ok. Tu devrais déjà être au lit, mon enfant. Ouais, mais ça va, je suis... La journée sera longue. Propos de se garde des ombres. Ah, je me doutais bien que cela finirait par arriver. A-t-il proposé de te recruter? Non, je voulais juste en savoir plus sur lui. Si la menace d'un enclin se confirme, les gardes des ombres seront notre dernier recours. Leur cause est la plus juste qui soit. Enfin, nous en discuterons à mon retour. Jusque-là, montre-toi courtoise envers lui. Duncan est un homme honnête et un héros de surcroît. Ok, je vais vous laisser. Je sais que tu me feras honneur. Tu es devenue une femme aussi belle qu'intelligente, ma fille. Ah ben. Bon. Hey, Fluffy. Sérieux? Une bouteille de vin couverte de poussière. Oh purée. Faites un clic droit sur un ennemi pour l'attaquer. Utilisez votre talent, tir incapacitant, sort des trains, ok, j'ai pas su lire. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu un truc? Ouais, c'est pas bon ça. À l'aide, noble dame, le château est attaqué. Exactement. Et je suis à poil, c'est ça qui est cool. Bon. Ok. Pas moyen de s'habiller en vitesse là. Parce que bon, c'est pas qu'on passe sur YouTube, mais bon, c'est un peu ça quand même quoi. J'ai envie de dire. Bon. Voilà, parfait. Parce que bon, c'est pas qu'on passe sur YouTube, mais voilà quoi. Putain, par contre, les combats, ils sont... Waouh. Aïe. Je pense que ça doit être plus être un jeu de stratégie ou quoi. Tu te sers comment de ton bouclier? Coup de bouclier, ok. Coup ajusté. Là je suis content d'avoir le chien quand même quoi. Soldat de Howe. Ah fuck. Pas que ça sent pas bon, moi. Le créateur soit loué, je craignais le pire. Tu es blessé? Non, je suis juste couvert de sang, c'est bon. Un cri m'a éveillé. Des hommes étaient postés dans le couloir. Aussi me suis-je barricadé. As-tu vu leur emblème? Ce sont les hommes de Howe. Pourquoi s'en prennent-ils à nous? Quoi qu'il en soit, nous devons fuir. Sais-tu où se trouve ton père? Il ne s'est pas couché. Non, je l'ignore. J'étais chez moi, j'étais à poil. Nous devons le retrouver. Savez-vous si Oren... Ariana et Oren, c'est qui? Je sais plus. Oh. Vous devriez peut-être rester ici. Parents de Rasté, il n'en est pas question. Je ne suis pas une potiche orlésienne. Je sais encore me battre. Donne-moi une épée et mettons-nous en route. Excusez-moi, je reviens. Autant pour moi, excusez-moi, je remets mon truc, voilà. Hop, voilà, il faut aussi encore que je cache le truc, quoi, c'est n'importe quoi. Bon. Du coup, je suppose qu'Elisa nous suit maintenant, c'est cool. À chaque fois que vous gagnez un niveau, foutu didacticiel. Chaque fois que votre capacité, c'est une nouvelle capacité, faites un clic gauche sur le bouton plus, près du portrait de votre personnage pour... Ok, je vois. Gain de niveau, ouais. Plus de force, plus de constitution, plus de constitution. Voilà. Ça me semble bien. Coup double, combat à deux armes. Défense au bouclier, oui, je devais reprendre ça, imbécile. Nous devons descendre pour découvrir ce qui se passe. Attends, je monte Fluffy. Fluffy, quoi. Vas-y, full force, lui, je le sens bien. Ça a l'air d'être un molosse de guerre, ouais. Donc voilà. Hop, c'est bon. Du coup. Nouvelle quête, oui, mais la quête qui nous amène où? Qui nous amène qu'on doit aller de l'autre côté. Attends, hop. Ouais. Ma foi. Par contre, ça bouffe de l'emplacement d'inventaire, ok. Vas-y, fuck it, on prend tout. Système d'encombrement, donc c'est toujours intéressant à savoir. Oh. Non! Oren! Quelle sorte de monstre massacrerait des innocents? Je ne sais pas. Ils le payeront. Oh, ne fais pas de quartier. Il veut nous massacrer jusqu'au dernier. Pauvre Fergus. Partons. Je ne veux pas voir cela. Ouais, enfin bon, c'est dommage quoi quand même. Enfin. Bon, du coup, il n'y a rien à piller? Non. Le gars. Bon, partons. Ouais. Partons, mais pas par là. Mais attends, pourquoi tu me... Dis qu'il est en cours la perfidie de... Oh, oui. Mais donc c'est pas... C'est quoi? C'est là? Non, mais non, c'est pas là du tout, bien sûr que non. Ça me semble logique. Ah, coffre. Petit piège à graisse, ma foi. Ma foi. Toujours bon de se soigner. Ok, bon. Bah, en fait, j'ai pas le choix, je suppose que... Voilà. Quand même jeter un œil par ici, on sait jamais. Nous trouverons peut-être de quoi nous aider ici. Je regarde dans ce coffre. Ton père y réserve certaines de ses affaires. Ce coffre. Dag, épée à deux mains. Oui, je prends ça, je veux. Je prends le reste aussi parce que fuck it, c'est cool. Ok, donc, personnage. Merde, c'est comment l'inventaire encore, je sais plus. Journal... Inventaire, là. Voilà, épée à deux mains. Voilà, merci. Tant pis, j'ai plus de bouclier, mais une épée à deux mains, c'est puissant. Voilà, du coup on va virer ça. Parce que c'est de la merde, ça aussi en fait. Du coup j'ai monté les compétences pour truc à deux... C'est pas grave. On montera ça par après, on changera. Casse-poitrine. Faudra peut-être que je compare quand même un cadeau. Ouais. Ah oui non, c'est le truc qu'a donné le chien, d'accord. Ouais. Bon, on s'en fout du reste, hop. Ça c'est con par contre. Compétences insuffisantes. 3 petits points. Bon. Courons les gars, courons, courons. On n'a pas que ça à foutre. Je suppose que là, ça va être combat. Voilà. Ah ouais, coup ajusté, ouais, waouh. J'ai des flèches dans le dos. Tiens. Ça fait du dégât quand même cette épée, même si elle est 10 fois trop lente. Ouais, en fait... Ah, mais oui, mais... Oh, oui, forcément. Forcément, inventaire. Quand même te donner une petite épée, hein. Voilà. Petite boucle aussi. Et toi, est-ce que je peux te donner une petite épée? Oh, ma foi. C'est pas con ça. C'est pas con, c'est pas con. Donc je peux... Je savais pas ça. Je ne savais pas. C'est bon à savoir. Je m'en charge. Voilà, je récolte tout, hein, oui. Je suis désolée. Elle était venue pour moi. Si elle était restée chez elle. Ouais, c'est con, c'est con. C'est très con. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ce sont des choses qui arrivent, quoi. Voilà. Ah, ce serait pas une sorte d'initiative, là, en fait. Endurance, voilà, c'est ça. Vas-y, je prends le chien, fuck it. Tu entends les combats. Les hommes de Howe sont partout. Qu'allons-nous faire? Nous devons les repousser. Ne sois pas stupide. Seuls, nous n'avons aucune chance. J'ai le chien. C'est là que nous trouverons ton père. Et s'il n'est pas là-bas? Le temps presse, alors écoute-moi bien. Si jamais nous ne retrouvons pas ton père, tu dois absolument sortir d'ici vivante. Si Fergus et toi veniez à mourir, la lignée des Cousland s'éteindrait avec vous. Si les hommes de Howe ont réussi à forcer l'enceinte, ils contrôlent déjà le château. Notre seule chance est de nous échapper par le cellier. Tu m'entends? Ok. Hâtons-nous dans ce cas. Ouais, le chien, fuck it. Nouvelle capture d'écran. Ah, j'ai fait une capture d'écran. Parcours, ouais, ma foi. Putain, mais je suis en train de... J'ai le chien, quoi. Sérieusement. Nous devons gagner les portes du château. C'est sûrement là que nous trouverons ton père. Et je contrôle le putain de chien et les autres suivent le putain de chien. Ceci dit, ça pourrait être du coup être un jeu qui pourrait se jouer en multi. Enfin, ça serait intéressant. Le château est tombé. Fuyez si vous voulez vivre. Et là, il va se faire tirer dessus. Oui, noble dame, ils arrivent. Ça c'est fait. Vas-y, ma... Ouais, c'est bien ça, regarde. Des gravats. Ouais, attends. Boum! Boum! Ouais, en fait, c'est vraiment un jeu de stratégie comme ça. Tiens. ok. Mais inventaire, voilà. Ouais, ça marche comme ça. Ouais, c'est ça, ça marche comme ça. Le principe du jeu reste intéressant. Ouais, le principe du jeu reste intéressant. Et la vie remonte au bout d'un moment, voilà, c'est cool. Je reçois tellement de trucs. Encore un coffre, mais il est verrouillé. C'est parfait, c'est parfait. Il n'y a rien ici en fait, il y avait juste un combat et c'est tout. Ok, Encore ? En fait, ce qui pourrait être intéressant du coup, ce serait de l'équiper avec un arc. Et je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Wow. Mais bon, quand même. Sauf que je vais perdre mon personnage principal si je continue comme ça. Ouais, 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 et pas qu'un peu. En fait, non, je vais perdre la mère là. Non, non, merde. Reste en vie, reste en vie, reste en vie. On a besoin de toi. Non mais oh. Du coup je disais plutôt celui-là puisque quand même quoi, voilà. Tu vas m'utiliser ça, voilà, merci. Sinon inventaire aussi. Plutôt prendre un arc. C'est lequel qui fait plus de dégâts? Celui-là fait plus de dégâts. Voilà. Voilà, parfait, parfait, parfait. Ok. Et toi tu vas quand même garder en fait l'épée qu'on avait avant. Hein, l'épée longue. Et le bouclier également, voilà. Parce que rien à faire, c'était pratique. Et je pense que tu prenais même moins cher. Par contre, si tu pouvais te soigner toi, je sais pas comment ça marche. Comme ça, d'accord. Ok, ok, ok. Il y a plein de gens morts. C'est triste. Gants de cuir clouté. Gants de cuir clouté. Gants de cuir clouté. C'est la même chose. J'ai exactement ça. Par contre, toi, je sais pas ce que t'as. Gants de cuir clouté. Ok, vous avez la même chose, c'est cool. C'est toujours bon à savoir. Sauf qu'en fait, non, c'est là qu'il faut que j'aille. Oui, c'est de la pâtée pour chien. Le magot en priorité. Aïe. La magie ça pique un peu quand même. Hein? Voilà, bon. Du coup. Attends, mais je vais mourir. Mais je t'ai pas demandé d'attaquer ce magot depuis tantôt, non? Si. Putain. Courage, tenez la porte. Ces traîtres ne doivent pas passer. Loué soit le créateur. Vous êtes en vie toutes les deux. J'ai bien cru que les hommes de Howe avaient réussi à passer. Et là, s'ils sont bel et bien passés. Ils ont tué Oriana et Oren. Je n'arrive pas à y croire. Êtes-vous blessés? Ne vous inquiétez pas pour moi, noble dame. Vous êtes toutes les deux saines et sauves. C'est tout ce qui compte. Quand j'ai compris la situation, j'ai donné l'ordre de fermer les portes. Mais elles ne tiendront pas éternellement. Si vous connaissez un autre moyen de sortir du château, partez sans plus attendre. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse perdre des personnages comme ça dans l'aventure. Donc je vais quand même faire gaffe à ce niveau-là. Donc pouvez-vous vous joindre à nous? Si je quitte mon poste, vous serez rejoint avant d'avoir quitté le château. Je vous en conjure, partez avant qu'il ne soit trop tard. Le Tierne était gravement blessé la dernière fois que je l'ai vu. J'ai voulu le retenir, mais il était déterminé à vous retrouver. Ok. La direction des cuisines. Je crois qu'il pensait vous trouver près de la sortie des domestiques, dans le cellier. Merci du fond du cœur, Ser Gilmore. Que le Créateur vous protège. Puisse-t-il nous protéger tous. Bon là, si le jeu est bien conscient, on va avoir un petit moment de pause. Voilà, exactement. Donc, sur ce, bah, je vais ramasser un petit peu ça. Voilà, je vais y jouer de mon côté parce que c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Un jeu qui me plaît beaucoup dans le principe, hein, l'aspect simulation, tout ça, c'est pas mal. Donc écoutez, sur ce, j'espère que... Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai peur quand même de looter l'archer. Tu as entendu, Ser Gilmore. Nous devons partir avant qu'il ne soit trop tard. Oui, attends. Voilà, écoutez, sur ce, donc je vais vous laisser ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et ou un commentaire à votre convenance, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer. Passez sur mon Facebook, mon AskFM et tout ça, sur lequel vous pouvez me poser toutes vos questions et tout ça. Et écoutez les gars, salut à tous, qu'il a ses lives.